Non, non, je marie ma fille aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est le mariage de Marianne et de Cédric, donc beaucoup de sourires. Merci. Vous êtes, c'est moi, on va tous se retrouver au Dauphin. Tenez votre bonheur, monsieur. J'ai très ému. On essaye de partir louper. Merci. Cédric, toutes mes félicitations. Bienvenue dans la famille. Merci, commandant. Bien, il faut que je te parle. Bien sûr, commandant. C'est très bien. Tenez votre bonheur, mon grand. Il faut que tu sois à la base demain à 8h pétante. Et mon voyage de noces? Tu oublies. On attend le feu vert de l'ONU pour partir au Rwanda. C'est une question de jour. Le Rwanda, c'est où ça? Arrête de poser des questions. Tu fais partie des forces spéciales. C'est ce que tu voulais, non? Alors tu la boucles. Malgré ces quelques soutiens, la France semble tout de même bien isolée et les rebelles rwandais multiplient leur mise en garde. Vous devez comprendre que le Front patriotique rwandais est catégoriquement opposé à l'intervention française. C'est pour nous une déclaration de guerre et nous résisterons par tous les moyens. Effrayant, ce type. Encore, t'as pas vu Kagame, leur chef. C'est une opération humanitaire. Conduite dans un temps limité, avec l'objectif de sauver tous ceux que nous pourrons sauver des massacres. Mais nous avons bien conscience que l'opération est difficile, complexe. Allô. Et risquée. Mes respects, mon général. Mais c'est tout à l'honneur de la France d'engager une opération humanitaire. Très bien, mon général. À tout de suite. Faut que j'y aille. Peut-être que moi, ils vont me faire autre chose que l'humanité. Comme quoi? Sauter sur Kigali. On a déjà perdu trop de temps. On est où, cette interview d'Arafat? Charlie, là, je te la dessin. Tiens, tu dis ça, il paraît que c'est bien. Et préparez-vous tous les deux, vous allez pouvoir partir. Ouais. Franchement, je te comprends pas. C'est pas nouveau. Ça fait combien de temps que je te répète qu'on doit y aller? Laure, ça fait combien de temps qu'on ça lui fait répète? Ça fait 3 mois. Dès le début du génocide, on était dans ton bureau. T'as même dit des Africains qui s'entretuent, ça intéresse pas nos lecteurs. Oh, ça va, ce jour-là, je dis une connerie, ça arrive à tout le monde. Ouais, parce que des centaines de milliers de morts, t'appelles ça une connerie. Bon, et cette fois, on y va, t'es sûr, tu vas pas changer d'avis. Attends, t'emballe pas, vous bougez pas avant le vote des Nations Unies. Mais il est con, quoi. Hervé, écoute-moi. Hervé, attends. Écoute-moi, putain, c'est maintenant qu'il faut y aller. Tu sais ce qu'a dit Pommier? Si les avions français débarquent à Kigali, il fera tirer sur nos troupes. T'imagines le climat? Le commandant en chef des casques bleus qui menace de tirer sur l'armée française. Tu veux nous faire louper ça? Ok, c'est bon, calme-toi. Je préviens la compta. Et allez-y, mollo, sur les notes de frais. Mon verre. Premier RPIM. Cormorin, commandant marine. Vous avez des infos plus précises sur l'opération? Non, pas encore. Vous connaissez la région? Non, pas ce coin-là. Et vous? Moi, j'étais au Rwanda en 93. J'ai pris la suite de Bachaumont. Mmh. Messieurs, c'est quoi ce bordel? Il manque la moitié de mes effectifs. Je vais me renseigner, mon colonel. Vous n'êtes pas le seul, mon vieux. Il me manque la moitié de mes véhicules. Va falloir se démerder avec les moyens du bord. Mais ça commence bien. Arrange, commando de l'air. Envers, première PM. Cormory, commando marine. Colonel Béchamon n'est pas là? On l'attend. Vérifiez le bloc et les divots. Roger, occupe-toi de l'adjudant Philippard. Très bien. Marjo, on se voit plus tard, mon adjudant. On marche. Dans une demi-heure. Ok, Sipal. Philippard.
part. Bonjour. Bonjour, vous êtes bâtiment A, avec le groupe Trépel. Okay, merci. Denis, ouais, t'as fini le déchargement, tu vérifies le matériel. Oh, les moustiquaires, les gars, là, ça fait une demi-heure, allez, on s'active. Bonjour. Bonjour. Je peux m'installer où je veux ? Oui, bien sûr, c'est pas réservé. Quartier Maître Morvan. Adjudant Philippard, GIGN. Vous posez une question, mon adjudant ? Bien sûr. Qu'est-ce que les gendarmes viennent faire ici ? À coller des PV, qu'est-ce que tu crois ? Non, mais sérieusement, qu'est-ce que vous faites là ? On sait rien. Vous avez pris une doudoune en Afrique ? À 2000 mètres d'altitude, les nuits sont fraîches. Ah bon ? Vous connaissez le pays ? Un peu. C'est quoi ton nom déjà ? Morvan. Cormery, c'est ton beau-père ? Ouais, pourquoi ? Quel genre de type ? Avec lui, il faut marcher droit. Tu peux éviter de faire du bruit, s'il te plaît ? Ouais, pourquoi ? Vous allez dormir maintenant ? C'est ta première intervention ? Ouais. Je peux te donner un conseil ? Dors quand tu peux. Parce que quand tu veux, tu peux pas. Messieurs, bonjour. Colonel. Restez à mon colonel. Asseyez-vous. Et bienvenue à Bukavu, si je puis dire. Je ne vous cacherai pas que nous avons une énorme responsabilité dans le succès de cette mission, qui, comme vous le savez certainement, n'est pas au bout de tous. À l'heure où je vous parle, le Conseil de sécurité des Nations Unies est en train de siéger et nous saurons demain matin, au plus tard, si la France a, oui ou non, obtenu un mandat d'intervention. Dans tous les cas, ce mandat sera limité dans le temps. Des questions ? Et s'il n'y a pas la majorité au Conseil de sécurité ? C'est très simple. On rentre à la maison. Vous êtes sérieux ? Je vous rappelle les instructions officielles et je vous demande de les suivre à la lettre. Notre mission est double. Reconnaître la zone en gardant une attitude de stricte neutralité et dans le même temps protéger les populations civiles, quelles que soient les ethnies en présence. Quelle est la zone, mon colonel ? Ça, c'est vous qui me le direz. Votre objectif à court terme et de créer une zone humanitaire, sûre et inviolable. Et pour ça, vous devez absolument prendre les rebelles de vitesse. Ça veut dire quoi, précisément ? Ça veut dire que vous devez imposer notre présence et éviter tout affrontement direct avec les troupes du FPR. Et si on se retrouve nez à nez avec eux ? C'est précisément ce qu'il faut éviter. Nous ne sommes pas là pour les combattre. Mais en ce moment même, on leur fait passer le message. Qui ça, on ? Laisse faire les politiques envers. Et ça donne quoi ? Pour l'instant, pas grand-chose. Kagame ne croit pas au caractère humanitaire de notre mission. Il nous voit comme des agresseurs. Évidemment. Ils s'attendaient à quoi, les politiques ? Si on en croit les dernières informations, le FPR a progressé à l'intérieur du pays de façon impressionnante. Mais alors, il n'y a plus de temps à perdre. On fonce sur Kigali. Il n'en est pas question. Et d'ailleurs, le Canadien qui commande les casques bleus s'y oppose formellement. Mais celui-là, c'est une cravure. Rambert. Maintenant, ça suffit. Excusez-moi, ça m'a échappé. Bien sûr. Ah oui, une dernière chose. On nous a demandé de cibler 2-3 opérations coup de poing à forte visibilité. Rambert, le camp de réfugiés de Nyarushishi, encerclé par les milices Hutus, me semble un bon début. C'est tout pour aujourd'hui. Vous parlez français ? Il y a quelqu'un qui... Bonjour. Bonjour. Ah, vous parlez français ? Oui, je parle français. Monsieur, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée des Français ? Avec eux, on va gagner la guerre. Si ce n'est que, a priori, ils sont là dans un but humanitaire. Les Français ne nous ont jamais abandonnés, messieurs. Christophe ! Christophe, aide-toi, ils arrivent ! Vas-y, Claude, mets le moteur.
qu'est-ce qui se passe? Putain, qu'est-ce qu'il fout, Cormary? On y va! Vous êtes déjà là, vous? Bah oui. La France est venue au Rwanda pour lancer une opération humanitaire. Et quand je vois un tel accueil, tous ces sourires, je dois dire que ça fait chaud au cœur. Merci. Amashi, 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 Amashi. Cormary, vaudrait mieux éviter. Éviter quoi? Ce genre d'exhibition. Surtout quand c'est vu et filmé par des journalistes. Vous ne parlez pas comme ça, Rambert. Je n'ai aucun ordre à recevoir de vous. Juste une question. Mon colonel, comment interprétez-vous un accueil aussi chaleureux de la population? Eh bien, j'y vois la preuve que la présence... Commencez pas, Agustin. Je vois très bien que vous voulez en venir avec vos questions tordues. Quelles questions tordues? Vous êtes au Rwanda. Vous savez très bien que le génocide a été planifié par ceux que vous avez soutenus militairement. Alors, écoutez-moi bien, vous. Je ne parle pas en journaliste qui salit l'honneur de l'armée française, c'est clair? Vous préférez serrer la main des tueurs qui ont encore du sang sur leur machette, c'est ça? Gosselin, vous êtes un type sectaire et méprisable. Vous avez compris maintenant? Connard comme Gosselin vont vous faire chier. Tout peut être mal interprété, tout. Mais vous pensez que ce sont tous des tueurs? Tous, j'en sais rien, mais regardez autour de vous. Regardez les lames. Ils n'ont pas coupé que du bois. Regardez. Ce sont des Hutus ou des Tutsis? Des Hutus, évidemment. Bon, je vous ferai un petit topo quand on aura le temps. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je m'appelle Jean-Claude Mourinho de Hadi. Je suis le secrétaire général de la préfecture de Tchangougou. Pourquoi vous me prenez en photo? Je vois pas l'intérêt. Pourquoi vous dites ça? Au contraire, c'est vraiment intéressant. Un petit jeune des commandos marines au Rwanda. Vous avez quel âge? 25. Le préfet vous attend à l'hôtel Beau Rivage. Vous connaissez? Je trouverai. Écoutez-moi, je dois me rendre directement à l'aéroport de Kamembe. Montrez-moi la route la plus praticable. Tchangougou, c'est ici. Kamembe, c'est dans le nord. Alors vous prenez cette piste. Arrêtez-vous là. Je veux savoir où est le chef de détachement. Le chef, il est là. Oh, la France! Ah, elle est très emmerdée, la France, hein? Et votre président, là, ça va? Il paraît qu'il est très malade. Je peux savoir qui vous êtes?
Capitaine Théodore Oboneka, de la garde présidentielle. Vous feriez mieux d'arrêter de boire, mon vieux. Votre comportement... Ah, ça suffit, hein. Pas de leçon à recevoir. Vous êtes ici chez moi. Où sont vos supérieurs? Dans la nature. Ça fait 10 jours qu'on n'a plus de nouvelles. Plus rien à bouffer. Plus d'essence. Alors, on attend. Quels étaient vos ordres? Nos ordres. Empêcher le FPR de s'emparer de l'aéroport. Pas beau. Vous trouvez pas ça drôle? Formez 2 groupes et faites reconnaître la zone autour de l'aéroport. Ah, vive le général de Gaulle! Vive la France éternelle! Oh. Tu la fermes maintenant. Tu commences à nous faire chier, là. Oh! C'est Rémi. Rémi! Rémi, tu te caches! Tu crois que je t'ai pas vu? Ah. Vous connaissez Philippard? Bah oui, je le connais. Dis-leur. J'étais son instructeur, c'est moi qui l'ai formé au tir. Mais à l'époque, il était à jeun. Mais t'oublies les cuites qu'on s'envoyait tous les deux, hein? Rémi, il a fait de moi le meilleur tireur d'Afrique. Regardez. Oh, c'est quoi ce cirque? C'est rien, commandant, je m'en occupe. C'est un pote, tout va bien. Augerie, baisse ton arme et rassemble ton groupe. Reçu, commandant. Et vous, Philippard, si c'est votre pote, tenez-le. Qu'est-ce qui te prend, toi? Range ton flingue. Range ton flingue, je te dis. Pierre. Bastien? Te voilà général? Général des brigades. Aujourd'hui, ça ne me sert pas à grand-chose. Je te présente le général Cabera, capitaine Guyot. Mon général. On a combattu ensemble en 93 les troupes du FPR. On a réussi à les faire reculer. Oui. Les temps ont changé. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'attendais. Je peux te parler? Va dire au préfet que j'arrive tout de suite. Bien, mon colonel. Faut que tu nous aides. Qu'est-ce qu'il te faut? Des obus, des mortiers, un peu de soutien. Tu sais, mon détachement, c'est 40 hommes. Chacun a son arme et c'est tout. Le gros des troupes va arriver, mais officiellement, nous devons respecter une neutralité absolue. T'es sérieux? Je suis désolé, Bastien. Faut que j'aille, le préfet m'attend. On a une dizaine d'éléments. Regarde présidentiel sur zone, ma colonne. On repart très vite. Monsieur le préfet, le colonel Rondère arrive. Ah, colonel! Ravi de vous rencontrer, mon colonel. Je sais que vous connaissez bien notre pays et que vous l'aimez. Venez, nous allons fêter votre arrivée. Permettez-moi de vous présenter un ami, M. Arsène Mougabo, qui est fondé le pouvoir de la Banque Centrale de Kigali. Prenez place, s'il vous plaît. Vous arrivez bien tard, colonel. On fait ce qu'on peut, cher monsieur. Mais oui, Arsène, mieux vaut tard que jamais. Allez, vivons au président Mitterrand. Et à l'opération Turquoise? C'est très joli, Turquoise, ça fera un beau prénom pour nos filles. Vous pensez vraiment pouvoir maîtriser la situation, colonel? Avec l'avancée du FPR, des milliers de réfugiés hutus sont déjà sur les routes. Pour l'instant, je suis venu vérifier comment sont traités les réfugiés tutsis du camp de Nyarushishi. Vous avez une idée de leur nombre? 7 000, 8 000, mais vous savez, colonel, des gens de la Croix-Rouge sont sur place. Et je puis vous assurer que nos gendarmes les protègent. Tous ces braves gens sont en sécurité. Je préfère vérifier. Comme vous voudrez. Seigneur Peignoir. Venez, je vais vous présenter quelqu'un de très important. C'est notre ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, qui a beaucoup œuvré pour l'apprentissage du français dans nos écoles. Il est à combien la piscine, Charles? Charles et toi, Guira, notre ministre de l'Éducation et de la Jeunesse. Enchanté, monsieur le ministre. Qu'est-ce que vous êtes venu faire au Rwanda exactement? Pour l'instant, je dois me rendre au camp de Nyarushishi. Mais, Charles, tu trinques avec nous, Charles? Non. Et vous, au lieu de boire du champagne et de vous occuper des Tutsis, vous ferez bien d'anéantir le troupe des Kagame. Et vous en avez les moyens. Qu'est-ce que vous attendez? Je n'ai aucun conseil à recevoir de vous, monsieur le ministre. Allez vous faire foutre. Alors, écoutez-moi bien, que ça vous plaise ou non. La France est ici dans un but strictement humanitaire, c'est clair? Guyot, on y va.
veux boire quelque chose. Tu crois pas que t'as assez bu, hein? Assieds-toi. Je pensais pas te revoir. Tu peux faire quelque chose pour Thérèse? Je t'ai posé une question, Théodore. Quand je t'ai appelé, tu m'as dit que t'allais t'en occuper. Tu te souviens, c'était le 13 avril. J'ai rien pu faire. Comment ça, t'as rien pu faire? On s'était mis d'accord, non? Ben, j'étais caserné. On devait s'occuper de la sécurité du gouvernement intérimaire. T'es même pas allé au centre culturel voir ce qui se passait? Je pouvais pas, j'avais des ordres. Thérèse a jamais réussi à te joindre? Non. André non plus? Non plus. T'étais leur seul espoir, Théodore. Mais t'étais pas sur place, Rémi. En quelques jours, il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers de cadavres dans les rues à Kigali. L'horreur que toi, tu peux pas imaginer. C'est pour ça que je picole. Devenir fou. Mais ça change rien. J'arrive plus à dormir. 15 minutes et je me réveille. Mais toi, qu'est-ce que t'es venu foutre ici, toi? Pourquoi t'es revenu? Chef, abantu banze gusoka kandi nta byangombwa bafite. Bagwiki? Banze gusoka. Nibo basore mu modoka bose bubazana no vuba. Basore bose, bose. Ndagire numwe gusiga. Colonel, le chef de la gendarmerie, de secteur de gendarmerie est là. Deux secondes, monsieur Plaquin.
Bonjour. Vous parlez français? Vous êtes venu pour nous tuer? C'est quoi ces conneries? Qui vous a dit que les Français allaient vous tuer? C'est absurde. La rumeur. Ah ouais. Et elle vient d'où, la rumeur? De partout. Guyon? Oui, mon colonel. Ils sont où, les journaleux? Là-bas, mon colonel. Dis-leur de se manier. Très bien, mon colonel. Alain! Vous parlez Kinyarwanda, mon colonel. Bravo! Je vous présente le capitaine Émilie Barézi. Vous pouvez compter sur lui. Moi et mes hommes, on est entièrement à votre disposition, colonel. On verra ça plus tard. Pour l'instant, je dois faire le point avec les responsables de la Croix-Rouge. Il ne faut pas trop écouter ce qu'ils racontent. Il y a beaucoup de mensonges, vous savez. Beaucoup trop. Ça va aller, monsieur le préfet. Je vais me débrouiller tout seul. Bonjour. Tiens, c'est cela que tu me feras en quatre. Laurent Verdier, délégué régional de la Croix-Rouge, Rose Moutikiri, assistante du chef du camp. Vous voulez boire quelque chose? Il reste du café dans le thermos. Non, merci. Bon, vous en êtes où? La situation est préoccupante. Il y a des dizaines de morts tous les jours et des risques évidents d'épidémie. Il faudrait créer un pont aérien le plus rapidement possible. Bien sûr. Mais moi, je voudrais savoir comment se comportent les gendarmes qui gardent le camp. Mal, monsieur. Très mal. Ils nous protègent pour faire semblant, mais en réalité, ils en profitent. Hier encore, ils ont violé deux filles. Mais qu'est-ce que vous croyez, colonel? Que c'est par compassion que les soldats des phares n'ont pas exterminé tous ces Tutsis? Si vous étiez arrivé quelques jours plus tard, il n'en resterait plus un seul. Et ça continue sur les routes. Le camp Nyarushishi est un piège pour ces Tutsis qui croient pouvoir venir se réfugier ici. Ils se font massacrer au barrage. Jusqu'à présent, j'ai pas vu un seul barrage. Oui, ben vous ne verrez que ce qu'on veut bien vous montrer. Oh, mais vous me prenez pour un con? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Concrètement, vous arrivez trop tard. C'est pendant le génocide qu'il fallait intervenir. Mais les soldats des Nations Unies étaient sur place, non? La MINUAR était réduite à l'impuissance. Vous voyez la faute à qui? Qu'est-ce qu'il a fait, ce général canadien? Avec des couilles et quelques mitrailleuses, il aurait pu limiter les dégâts, mais non. Hein, il a passé sa vie au téléphone à quémander la permission de l'ONU. Alors moi, si j'avais été à sa place... C'est toujours facile d'accuser les autres quand on n'est pas sur le terrain. Moi, pendant ce même mois d'avril à Kigali, j'ai vu Kouchner désespéré, téléphoner à tout le monde, tout tenter pour arrêter les massacres. Et à Paris, qu'est-ce qu'il faisait? Il recevait en grande pompe un ministre du gouvernement génocidaire. Et Jean Bosco Bariaguiza, un des fondateurs de la RTLM. Une délégation qui puait la mort. Mais arrêtez, vous simplifiez! Parce que c'est très simple. Le génocide, tout le monde s'en foutait, à commencer par la France qui a été informée depuis longtemps. Alors écoutez, mon vieux, arrêtons là cette discussion. Nous avons désormais une mission humanitaire et nous l'accomplirons. Nos équipes médicalisées sont en route. Elles ne ressusciteront pas les centaines de milliers de morts dont vous êtes en partie responsable. Mais t'es un malade mental! Tu sais ça? On y va. Ras-le-bol d'en prendre plein la gueule de tous les côtés. Putain, mais ils savent les politiques dans quelle merde ils nous foutent? Je pense pas, non. Guyot. Colonel. Nous allons prendre en charge la sécurité du camp. Bien, mon colonel. Il y a un journaliste qui souhaite vous interviewer. Gossin, je ne veux pas lui parler. Non, c'est Jérôme Collard qui vous attend. Éloigne Gosselin pendant l'interview. Pas bien. C'est qui la fille là-bas? Laure Nadal. Elle travaille pour qui? Avec Gosselin, je crois. On couche ensemble? Franchement, j'en sais rien. Vous voulez que je me renseigne? On verra plus tard. Très bien. On va former deux groupes pour sécuriser la zone autour de l'aéroport. Votre mission est de reconnaître cette zone sur un rayon de 15 km et tenter de localiser les forces en présence, plus particulièrement le FPR. Augery, tu pars vers le nord, Merabé vers le sud. Départ immédiat. Ah.
Commandant, on a un problème de véhicule. Ok, fais en sorte de réparer au plus vite. Merci. Le terrain, t'obéis. Note tout et tu fais ton rapport, c'est pas compliqué. C'est pas possible. On est venu pour soutenir ces épaves, hein? C'est ça notre mission? C'est vraiment votre pote, leur capitaine? Vous avez vu dans quel état il est? T'as aucune idée de ce qu'il a vécu, toi, alors tu la fermes. Ok? T'es un type bien, Théodore. Ah bon? Alors expliquez-moi, là. Parce que moi, je vois qu'un mec bourré sur le terrain, là. Oh, tu vas me lâcher maintenant, ouais? Rien à expliquer, un petit merde comme toi. T'arrêtes de me casser les couilles. Morvan ! Qu'est-ce que tu fous, là ? Tu les vois ? Non ! En retour au camion ! Dépêche-toi ! Allez ! Et merde ! Il est où, Morvan ? Il arrive. Il est derrière. Et vous les avez chopés ? Bah non. T'es sûr? Ouais. Elle était quoi? Hutu ou Tutsi? Regarde sur sa carte d'identité. Pourquoi c'est marqué dessus? C'est comme ça que les Tutsis se font massacrer au barrage. Ça va? Tu commences à comprendre? Allez les gars, on y va. Attendez, faut pas la laisser là. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Cédric, on y va là. Thank you.
Alors, ils sont quoi ceux-là? Hutu? Tutsi? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? J'en sais rien, commandant. Bah, moi, je pense qu'ils sont Hutu. Bonjour. Vous parlez français? Vous comprenez? Bonjour. Ça va? Oui, oui, merci, ça va. Bonjour. Il y a quelqu'un qui parle français, là? Moi, chef, et que je suis le responsable du village. Formidable. Vous appelez comment? Je m'appelle Boniface Djuma. Vous êtes Hutu? Oui, chef. Vous voyez, je progresse. Sur la route, quelqu'un nous a dit qu'il y avait des cadavres ici, près du pont. Trois cadavres. Vous les avez vus? Oui, chef, c'est vrai. Nous, on a cherché et on n'a pas trouvé de cadavres. Non, chef, mais c'est vrai. Quoi, c'est vrai? Pendant la nuit, ils sont partis. Attendez, ils ne sont pas partis tout seuls. Bon, demandez-leur s'ils ont trouvé des cadavres. Hé, Nimoumve, chef, il m'a dit ça. Ngwe sengo mwaba mwabonyizo ntumbi eshatu ngo kumugeze hari yara kare 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 hazo pe arizo mwigeze mubona qu'est-ce qu'il raconte? Donc il s'appelle Isidore Makemi, il dit que c'était des infiltrés rebelles. Des infiltrés rebelles, c'est ça que vous dites? FPR? Oui, chef. Ils étaient en uniforme? Ils étaient comment? Comme soldats avec l'uniforme. Et leurs armes? Ils avaient des armes, non? Elles sont où? C'était quoi? Des fusils, des kalachnikovs? Demandez-leur s'ils n'ont pas vu des armes. Chef, on dit quoi ça? Oui, c'est ça. 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 Donc, ils disent qu'il faut nous aider parce que des infiltrés, les bergs ne sont pas loués. Son mater, il est dans les collines. Je suis au courant. On est là pour ça, pour que vous arrêtiez de vous entretuer. Vous m'entendez? Oui, chef. Commandant, excusez-moi. Vous pouvez venir voir, j'ai trouvé quelque chose. Vous venez avec moi. C'est quoi cette liste? C'est des gens, chef. Mais c'est qui ces gens? Les Hutus? Les Tutsis? C'est pas des gens du village. Je le connais pas. Dans votre village, il y en a des Tutsis? Non, ils sont tous partis. Ouais, c'est ça, comme les trois cadavres. Je n'ose pas, chef. Pabrou? Oui? Faites-moi fouiller les maisons. Au sud, commandant. Qu'est-ce au fond à gauche? Claire! Attention, Cédric, je sors. Ok, merci. Stéphane! Oui. Est-ce que la baraque là-bas est faite? Non, pas encore. On s'en occupe. Hein. Continue. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'y vais. Première pièce. Claire. Deuxième pièce. Claire. Putain. David, pièce du fond arrive. Regarde. J'y vais.
C'est vieux, ça. Une porte. J'ouvre. Claire. Ok. On se casse. Je bascule. Est-ce que vous parlez français? Un peu. On peut rentrer chez vous? À droite, une pièce. Claire. Qu'est-ce qui s'est passé à côté? Au fond, à gauche, une pièce. Pourquoi il y a du sang sur les murs? Claire, au fond, au centre, porte. Répondez-moi, qu'est-ce qui s'est passé à côté, là? Bien sûr. Vous avez bien entendu quelque chose, non? Oh, Cédric! Hey. Cédric! Reste tranquille. Ouais. Reste tranquille, calme-toi. Ouais. Suis-moi. Suis-moi. David, Cédric, venez, on a trouvé. Tom, arrive! Alors, c'est pour nous défendre, chef. Si on ne les tue pas, c'est eux qui nous tuent. On ramasse tout ça et on reprend la route. On décroche. Attendez, commandant, on n'arrête personne. Fais son petit rapport et on se casse. Qu'est-ce qu'il prend, Morvan? On n'est pas là pour faire des opérations de police. C'est clair. Pardon, tu la ramènes un peu trop, ok? Allez. On raccroche. Pourquoi est-ce qu'on rentre tous les soirs aux Aïrs, au lieu d'avancer? Je croyais qu'on était là pour arrêter les massacres. Il n'est pas question d'apparaître comme une armée d'occupation. Notre intervention est limitée dans le temps et sur le terrain. Mais qu'est-ce qu'ils foutent à Paris? Ils sont au courant de ce qui se passe? C'est pas si simple, Cédric. T'es sûr de comprendre ce que tu vois? Ce que je vois, c'est que ce sont des civils qui se font massacrer. C'est plus complexe que ça. Te laisse pas guider par tes émotions. Nos premières reconnaissances nous permettent de situer les zones de concentration du FPR dans l'axe Kitarama-Boutaré. On a même essuyé quelques tirs sporadiques, mais ça ressemblait plus à des tirs d'intimidation. Très bien. C'est la zone sud qu'il va falloir sécuriser au plus vite. Cormery, vous estimez l'aéroport de Kamembe praticable? La piste n'est pas en bon état, mais on m'a dit que les gars du Totam poseraient leur avion n'importe où. Où en est-on, Niaoujiché? Il y a pour l'instant environ 8000 réfugiés tutsis, et dans une semaine, il y en aura peut-être le double. Ça, c'est le gros problème. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est l'exode massif. Chaque fois que vous vous retrouverez devant des réfugiés, essayez de les fixer sur place. Hein? Faut les mettre en confiance. Dites-leur d'attendre les secours. Sinon, ce sera la catastrophe. Ils doivent se sentir protégés. Par les 150 hommes du COS? Faut pas les prendre pour des abrutis. Il y a 2500 soldats français qui suivent. C'est surtout ça qu'il faut leur dire. Je te dis que c'est la panique. Sur les routes, on commence à trouver tout. Des civils, des déserteurs, des fonctionnaires. Il y a même des ministres. C'est bien pour ça qu'on essaie de négocier un cessez-le-feu avec Kagame. Mais Kagame, je le connais bien. C'est une araignée qui tisse sa toile. Ce qu'il veut, c'est la victoire totale. Excusez-moi, mon colonel. Oui. La 13e DBLE vient de débarquer de Djibouti. Le 4e escadron du RSM ne devra pas tarder. Très bien. Et l'appui aérien? Ils sont déjà là. 4 Jaguars et 8 Mirages. Opérationnels depuis la piste de Kisangani. Mais c'est parfait, faisons intervenir l'aviation. C'est la seule manière de négocier avec Kagame. Tant que les politiques ne se mettront pas d'accord, les avions resteront au sol. C'est tout pour aujourd'hui. Pas tout à fait. Je dois vous présenter le lieutenant-colonel Durieux,
En charge des relations avec la presse, il a 2-3 choses importantes à vous dire. Messieurs, bonjour. Entrez, installez-vous. Comme vous le savez, les journalistes seront omniprésents tout au long des 8 semaines de notre mission. La transparence est de rigueur, nous n'avons d'ailleurs rien à cacher. Il faut seulement peser ces mots, car chaque mot compte et peut être mal interprété. Lieutenant-colonel Rambert, si je puis me permettre. Hier, vous avez un peu dérapé. Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai encore dit comme connerie? J'ai écouté la radio ce matin et je pense que je ne suis pas le seul. Les services de renseignement du FPR sont aussi à l'écoute. Durieux, arrête de tourner autour du pot. Un peu de bon sens, Pierre, on n'est plus en 93. Il faut s'adapter à la nouvelle donne. Par exemple, évitez d'employer le mot rebelle, ou pire, Khmer noir, s'agissant des troupes du FPR. Tout ce qui peut envenimer les négociations en cours est malvenu. Parlez-lui aussi de l'épisode Gosselin. Il n'y a rien à dire sur Gosselin. Ce journaliste est vendu aux Américains au FPR. Tu te calmes. Excuse-moi, mais je ne supporte pas qu'un journaliste français crache à ce point sur notre honneur. Souviens-toi, on a eu affaire à lui en 93, non? Justement. C'est bien pour ça qu'Arèche va le prendre en charge. Ça vaudra mieux. Pas d'objection, Arèche? Aucune, mon collègue. Jean-Pierre, j'ai la bouffe là, vas-y, viens. À table, les filles. T'es revenu de chez le Toubib? Ouais, ma fille est d'Imodium. T'as la chasse? Non, je n'ai bouché. Quoi? Non, c'est pour Jean-Pierre. Allez me demander aussi, là. Je veux savoir ce que vous cherchez, mon adjudant. Un petit village, près de Dissovou. T'as des potes là-bas? Laisse, mon GIGN, ils aiment bien les secrets à maison. Je vous demande pardon, Marvin. J'ai pas entendu. Rien, mon adjudant. Trépel, rassemblement sous le préau. Augerie, ça y est, Mitterrand et Balladur se sont mis d'accord, on s'installe au Rwanda. Avec Kirombo et Gishita comme base arrière. Les sacs d'allègement restent ici, on embarque les sacs mission. Départ dans une heure. Oui, monsieur commandant. Bon, les gars, 5 minutes pour finir la bouffe et on y va. Il va à pied. Reçu. Écoutez-moi, les gars. Notre mission est de renseigner sur la zone des combats qui se trouve derrière cette colline. Attention, nous sommes limités à l'observation. Soyez le plus discret possible. Le groupe Merabé reste sur zone. Augerie, dès que prêt, en avant. Marty, Morvan, en binôme de tête, je suis derrière vous. Philippard, tu peux sécuriser la route? Reçu. Allez! Commandant, il y a des cadavres dans la cour.
Ok, Ougerie. Un binôme pour connaître la maison. Les autres, continuez la progression. Vidio, Moré. Binôme de reconnaissance pour la maison. On continue la progression. C'est qui ça? Phare ou FPR? J'en sais rien. Tonda! Les machettes là! Tombe les machettes! Et toi, Tonda! Tonda! Vous faites quoi avec ces machettes? Vous alliez où comme ça? Vous parlez français? Y'a quelqu'un qui parle français? Et toi là, le soldat là, où est-ce qu'il est ton chef? Il est où ton chef? Le chef, il est arrivé. Par là-bas? Non, il est déjà arrivé. Ah bro, faites garder les prisonniers. Reçu, commandant. Et toi, tu m'emmènes là-bas. Allez. Allez, n'est pas ici tous les deux. Ouais, ouais, oui. Qu'est-ce que vous faites ici? On essaie de loger des rebelles qui se trouvent dans des collines en face. FPR? Ouais, des rebelles. Vous bombardez des civils? Ce ne sont pas des civils, ce sont des infiltrés Tutsi. Allez, dégage! Je croyais que les Français étaient nos alliés. Tu entends ce que je te dis? Tu dégages! Organisez un nouveau point de récupération et faites raccrocher le groupe. Est-ce qu'on fait des prisonniers? Laissez-les partir. Part. T'aurais pas une cigarette par hasard? Non, désolé. Je peux vous parler, commandant? Allez-y. C'est un peu compliqué. Pas trop, j'espère. Quand j'étais à Kigali en 92, j'ai fait la connaissance d'une jeune femme. Elle travaille au centre culturel français avec son frère. Il s'appelle Thérèse Kabogo. Il y en a. Il y a une relation. Ça ne me regarde pas. Non, je sais. Je voudrais savoir ce qu'elle est devenue. Et c'est à moi que vous demandez ça? On se trouve à une dizaine de kilomètres du village où elle est née. Tout ce que je vous demande, c'est l'autorisation de nous arrêter dans ce village pour faire une enquête. Dans ce village, il y a un prêtre français, Père Blondin. Il pourra nous aider. C'est un grand honneur que vous nous faites et c'est au nom de l'amitié entre le président Mitterrand et notre défunt président Berimana que nous vous souhaitons la bienvenue à Mugata. Philippa, je te donne une demi-heure. Merci, commandant. Si vous acceptez de rester quelques heures avec nous, je vais organiser un petit spectacle avec les danseurs du village. Désolé, c'est non, monsieur le maire. Ah, dommage. Vous savez, je connais très bien Paris. Quelle ville magnifique qui pourrait vous parler du musée du Louvre pendant des heures. Une autre fois, peut-être. Et vous savez, ici au Rwanda, plus qu'ailleurs, une église, c'est un vrai refuge.
Ils étaient persuadés que les miliciens n'oseraient pas. Moi aussi, je le croyais. Mais cette fois, ils sont entrés. Toutes les familles ont été massacrées. Celle de Thérèse aussi. Son père, sa mère, ses deux oncles, son frère Antonin, qui avait 16 ans, sa sœur Anastasie, et Jean-Paul, le mari de Brigitte. Lui, ils l'ont tiré dehors. Ils lui ont d'abord coupé les pieds. Ils lui ont dit, maintenant qu'on t'a raccourci, tu ne regarderas plus de haut. Vous n'avez pas de nouvelles de Thérèse ? Aucune. Et toi, tu ne sais rien ? Non. Mon cher Rémi, je confie cette lettre au dernier Français qui va être évacué du centre culturel. Il m'a promis de te la poster quand il arrivera à Paris. Ce matin, les derniers parachutistes français nous ont abandonnés à notre sort. Ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas reçu l'ordre de nous amener avec eux. André les a insultés. Tu le connais. Maintenant, notre seul espoir, c'est ton ami Théodore. Je n'arrive pas à lui joindre au téléphone. On me répond chaque fois qu'il est très occupé. Dès que tu auras reçu ma lettre, appelle-le et dis-lui qu'on est une vingtaine de réfugiés et qu'on va se faire tuer s'il n'intervient pas très vite. Voilà. Il ne me reste plus qu'à prier. Je pense très fort à toi, Thérèse. Père Blondin voudrait vous parler. Très bien. Voilà, c'est là qu'ils les ont jetés. Au moins 300 personnes. C'est qui, il ? Le bourgmestre qui vous a accueilli tout à l'heure, des gens du village et des gendarmes. Ils sont toujours là ? Les gendarmes, non. Ils sont partis après le massacre. Ils sont allés ailleurs, à Kirambo, à Gisuma, à Gafunzo, là où il y avait la garde présidentielle. Et les autres ? Ben, certains sont là. Vous voyez, celui qui a une petite casquette marron, c'est Alphonse. C'est lui qui a coupé les pieds de Jean-Paul, le beau-frère de Thérèse Kabougou. Et après, il lui a coupé la tête et il l'a balancé au chien. Il vient de se confesser. Bien sûr. Mais il ne parle jamais de ça. Ils n'ont rien à se reprocher. Le bourgmestre leur a tellement répété que tuer des Tutsis, c'était une bonne action. On va vous emmener à Kirambo. Vous y serez en sécurité. Ça fait 32 ans que je vis ici, à Mugata, avec mes fidèles. Vous les appelez toujours vos fidèles ?
La place est avec eux. Vous savez que votre vie est en danger. J'ai vu tellement de gens mourir autour de moi. Je n'ai plus peur. Christophe, tu veux pas ouvrir la fenêtre, s'il te plaît? Si je l'ouvre, on va se faire bouffer par les moustiques. Mais alors tu fais un effort, t'arrêtes de fumer. Écoute, je sais pas comment tu fais, mais moi j'ai besoin de ça pour tenir. Mais t'es chiant, hein? Je sais. Au journal aussi, ils en ont marre. Trop d'horreurs, trop de détails. Ça les emmerde, mais moi je continue, là. Tiens, écoute ça. J'ai vu des papas qui enseignaient à leurs garçons comment couper. Ils leur faisaient imiter les gestes de machette. Ils montraient leur savoir-faire sur des personnes mortes ou sur des personnes vivantes qu'ils avaient capturées dans la journée. Le plus souvent, les garçons s'essayaient sur des enfants, rapport à leur taille correspondante. Je te lis la suite. Bon. Je te laisse respirer. Éteins ta lampe, connard! Éteins ta lampe! Je suis Gosselin, le journaliste. C'est Gosselin, mon colonel. Vous n'êtes pas couché, vous? Je fais comme vous, je bosse la nuit. Qu'on appelle ça bosser? Qui c'est, lui? Un Tutsi qui a passé un mois caché dans un placard. Comment vous appelez? Attendez, plus tard, plus tard. Pour l'instant, on le ramène au camp. Suivez-nous, si ça vous intéresse. Quand les massacres ont commencé, j'essaie de me cacher chez les religieuses de Saint-François. Je les connaissais bien, mais elles m'ont fermé la porte. C'est le jardinier du couvent qui m'a caché dans sa maison. Un Hutu qui a risqué sa vie tous les jours depuis plus d'un mois. Vous connaissez son nom? Je ne sais pas. Vous pouvez parler maintenant, vous êtes en sécurité. Je ne sais pas. Comment ça, vous savez pas? En 93, j'ai vu des soldats français à Kigali qui contrôlaient les routes. De temps en temps, ils mettaient des gens sur le côté. Des Tutsis. C'est le boulot des miliciens, quoi. Non, mais je peux pas vous laisser dire ça! Je les ai vus, monsieur. Vous pensez que je mens? Écoute-moi, toi. On vient de crapahuter de nuit sur 12 bandes pour te sauver. Je ne dis pas le contraire. Et je vous remercie infiniment. Mais je ne comprends pas. Tout ça est absurde. Hier, vous étiez les complices des Hutus. Aujourd'hui, vous êtes les sauveurs des Tutsis. Tu me fais chier, toi. Tu le sais que tu me fais chier? Bon, écoutez, ça suffit maintenant. Il a raison, non? Moi aussi, en février 93, j'ai vu des barrages à la sortie nord de Kigali, tenus par des militaires français qui contrôlaient les identités. Arrêtez de nier! Allez plutôt demander à des gens comme Rambert ce qu'ils foutaient là-bas. Vous savez ce qu'ils vous répondront? Ils vous diront qu'ils faisaient leur boulot. Pour eux, il n'y avait aucun problème. Gosselin, deux secondes. Moi aussi, je fais mon boulot et j'en suis fier. Et même si je dois sauver un seul homme de moi, ce sera toujours un homme de sauver. Vous l'écrirez, ça, dans votre canard? Vous préférez des ragots? Ce sont pas des ragots. Plein de témoignages vont dans le même sens. Même s'il y a quelques soldats qu'on déconne, c'est pas une raison pour en faire une généralité. Mais personne n'a déconné. À l'époque, tout le monde trouvait ça normal. L'ennemi déclaré, c'était le FPR et les infiltrés Tutsis. Bachaumont et Rambert, vous croyez que ça les fait bander, la neutralité? C'est vraiment un emmerdeur. Oui, c'est ça aussi, un journaliste. Allez, à demain. Certainement pas, demain, je veux pas vous avoir dans mes pattes. Ben, ça risque pas. Parce que nous, on grimpe à Bicécéro. Il paraît qu'il y a des massacres qui continuent dans les collines. Qui vous a dit ça? Mais des journalistes. Ils font aussi leur boulot, figure. C'est où, ça, Bicécéro?
Vous voyez, vous êtes du jour. Avant tout, vous mangez. Les camarades, comme vous dites. Colonel, comment ça va? Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce type? Il a trop travaillé. C'est dur, vous savez. Il est fatigué. Et moi aussi, je suis fatigué. Mais je suis l'autorité. On a entendu des tirs dans les collines. C'est exact, chef. On a réussi à tuer quelques Tutsis. Au moins 50. Et voilà la maison là. Et celle-là aussi. Et là en bas. Et il y en a d'autres là derrière. Ouais. C'était leur maison. On a tout brûlé. Ouais. Et lui, c'est Athanas, l'instructeur du village. C'est un courageux. Bien sûr, mais il descend des collines le soir pour nous attaquer. Nous, on se défend, c'est normal. Il a même été obligé de tuer tous ses élèves Tutsis. C'est obligé, les enfants des complices sont des complices. Des complices de quoi? Du complot, madame, c'est pour ça qu'on les extermine. Il n'y a pas d'autre moyen. Ici, tout le monde est armé. On parle le matin avec les villageois et tous les Tutsis qu'on trouve, on les tue. On a des ordres. Des ordres de qui? Du docteur Kaïchema. Le préfet de Kibouye? Oui, monsieur. Il est venu lui-même pour nous féliciter du bon travail. Pourquoi vous me regardez comme ça? Regardez-moi vos yeux, mon Dieu. Ne me prends pas pour un imbécile. Hein? Je suis un grand ami de la France. Je connais bien les auteurs. La Fontaine, le renard et le corbeau. Maître corbeau sur un arbre perché. Tenez à son bec un fromage. Et Molière. J'aime beaucoup Molière. Je peux vous réciter le bourgeois gentilhomme. Et vous avez assassiné vos élèves? Ils ne méritaient pas de vivre, messieurs. À l'école, il y en avait 80. Aujourd'hui, il reste 25. Je suis très fier, moi. Hein? Et moi-même, avec mon fusil, j'ai tué 10 malfaisants. C'est vrai ce que dit la radio. C'est pire que des cafards. Ce sont eux qui renseignent les troupes du FPR. Vous entendez? Ils continuent. Ils sont partout. Pour la Bicécéro, c'est par là? Non, c'est pas par là. Il faut prendre la petite route. Pourriez-vous nous servir de guide? Ah non, c'est pas possible. Je dois protéger les gens du village. Et vous? Non, non. Je dois rester ici avec ma famille. Bon, allez, ça suffit, on décroche. Au revoir, mon colonel. Comment vous vous appelez? Moi, c'est policier Jacques. Jacques. Vous pouvez nous laisser 5 minutes, on cherche un guide. Parlez français? Vous parlez français? Oh, yeah. La route de Bicécéro, c'est par là? Oh, yeah. Il y a quelqu'un qui parle français? Vous parlez français? Laure, je te prends une bière? Non, merci.
T'en veux un peu? Ça va? Oui, ça va. J'ai juste mal au ventre. Hé hey. Allez, embarquez! On repart, hein? C'est qui, lui? Monsieur Touadiarezou, responsable de la cellule de Moubouga. Et vous l'arrêtez? Non, non, bien sûr que non, il va nous servir de guide. Lui aussi est très fatigué, mais cette fois, je lui laisse pas le choix, il va venir avec nous. Pourquoi vous êtes fatigué, monsieur? La peur, monsieur. C'est la peur qui me fatigue les nerfs. Là-bas, sur cette colline, c'est le rebelle. Ils sont nombreux, et la nuit, ils descendent pour nous attaquer. Pour l'instant, ils sont cachés là-haut. Abyssé-Séro? Oui, Abyssé-Séro. Ok, c'est parti, on y va. Vaslin! Mettez votre caisse entre les deux P4! Civil à 3h dans les bois. Halte ! Ceux-là, il faut les tuer. Aider. On peut plus tenir. Vous êtes quoi? On est Tutsi. Je m'appelle Antoine Mouir. Vous savez qui est cet homme? C'est le chef d'un milicien. Il était avec le préfet, je l'ai vu. Il a tué mon frère, ma soeur, de ses propres mains. C'est faux, ne l'écoute pas. Cet homme sera jugé. Jugé par qui? Par vous, le français qui le protégeait? Je vous dis que cet homme sera jugé. Mais venez voir ce qu'il nous faut. Venez voir, venez voir. Regardez. Regardez vous-même. Des charniers comme cela. Il y en a partout. Notre colline est devenue un cimetière. Voyez vous-même. Que des cadavres. Regardez. On va vous descendre à Kibouye, comme ça vous pourrez témoigner. Non, non. On reste avec eux. Et vous aussi, il faut rester avec nous. Non, je ne peux pas. J'ai pas assez d'hommes pour vous protéger, vous comprenez? Il faut que je prévienne mes supérieurs. Mais des survivants comme lui, il y a des centaines et des centaines dans ces collines. Je suis désolé, je peux pas faire autrement. On reviendra, le plus vite possible. Et c'est quand le plus vite possible? Je sais pas, on reviendra. Maintenant, on sait où vous trouvez. Et le fait que nous soyons passés va peut-être calmer les choses. Quand vous reviendrez, vous ne trouverez qu'il y a des cadavres. Je vous promets qu'on va faire vite. S'il vous plaît, messieurs, ne partez pas. Si vous restez avec nous, ils n'oseront pas. Mais ils sont où, bordel? En ce moment, ils nous regardent. Ils savent que vous êtes là. Alors, ils ne font rien. Cachez-vous, vous pouvez, vous comprenez? Ici, je peux rien faire. Je dois prévenir mes supérieurs. Vous nous condamnez à mort! Vous ne valez pas plus qu'eux! Comment vous vous appelez, monsieur? Antoine Mouir. Vaslin, maniez-vous!
Excusez-moi, vous êtes bien le préfet de Kibouye, docteur Kaishima? Je peux vous poser une question? Je m'appelle Christophe Gosselin, je suis grand reporter au Matin. Monsieur le préfet, de très graves accusations circulent sur votre compte. On dit que vous avez fait massacrer 2000 Tutsis dans l'église Saint-Jean. On parle de 9000 autres sur le terrain de foot. On raconte que vous-même avez tiré le premier coup de feu. Bonsoir. Bonsoir. Gosselin, journaliste. Vous me connaissez? Oui. Je viens voir le colonel Arèche. C'est urgent? C'est important. Ça peut pas attendre demain. Vous étiez à Bicécéro avec moi. D'après vous, ils peuvent tenir combien de temps là-haut? Bougez pas. Vous dites quoi, Arèche? Il est au téléphone. Vous êtes au courant de ce qui se passe à Bicécéro? Écoutez, Gosselin, on a prévu un point presse demain. En attendant, vous nous foutez la paix, d'accord? On nous a demandé d'être sympa avec les journalistes, mais il y a des limites. Mais c'est quoi, les limites? Je viens de voir à l'instant le préfet Kaishima. Il se balade tranquillement, il n'a pas de limites, lui. Vous devriez vous renseigner. On verra tout ça demain. Et qu'est-ce que vous verrez demain? Le ministre de la Défense? C'est quoi, votre problème, là? Cédric! Tu me le vires! Ça va, je peux sortir seul. Alors quoi? Qu'est-ce qui décide, vos supérieurs? J'ai transmis mon rapport. Et la réponse? J'ai reçu l'ordre de me tenir prêt pour l'arrivée du ministre. Et Bicécéro? On les laissera pas tomber. Maintenant, vous rentrez dans votre hôtel, vous avez rien à faire ici. Vous savez à quoi je pense en ce moment? On s'en fout! Ça va! Lâchez-moi! Bonjour, vos confrères sont au pied des tribunes. D'accord. Très bien. Bonjour. Bonjour. Ça va, pas trop dur? Merci. Je m'appelle Laure. Moi, c'est Cédric. Et ton secteur? Monsieur le ministre, 7 jours après le début de l'opération turquoise, où en sommes-nous? Eh bien, comme l'a dit lui-même notre ministre des Affaires étrangères, le premier objectif est d'ores et déjà atteint, puisque les populations menacées ont pu être rassurées. J'arrive à l'instant du camp de réfugiés de Niarouchichi, où j'ai pu constater l'excellent travail de nos troupes. Monsieur le ministre, comment expliquez-vous que la France soit le seul pays actuellement présent au Rwanda? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'autres pays candidats, ni en Afrique, ni ailleurs. Mais nous n'avons pas vocation à être les gendarmes du monde.
Que les choses soient claires, notre vocation n'est pas de rester, mais de partir, de laisser la place à des organisations humanitaires et, si possible, à des Africains, car c'est une crise africaine qui doit être au maximum gérée par des Africains. Monsieur le ministre, en ce moment même, dans le secteur de Bicêtre, il y a des milliers de Tutsis qui se font massacrer. Que comptez-vous ? Non, laissez-moi d'abord prendre connaissance de la situation. Merci à tous. Merci. Monsieur le ministre, je connais la situation, je peux vous en parler. Mais laissez-moi lui parler, là ! Monsieur le ministre ! Oh, ça va, je vais pas l'agresser, là ! Monsieur le ministre ! Retenez ce nom, Bicêtre ! Oui, tout à fait, rejoins le colonel Bachelot. Bien. Il s'excuse de ne pas pouvoir être là. Très bien. Les soldats gouvernementaux s'abritent derrière la bannière bleu-blanc-rouge pour mener d'ultimes opérations de chasse à l'homme. Point final. Ça va, tu as tout ? Ben fais ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ben ok, je te rappelle demain. Insensé. Nick, it's free now. Ok, cheers. Ils en ont mais strictement rien à foutre. Ils sont plus préoccupés par les histoires de grève de routiers avant les vacances. Si, et le mondial. Je viens d'avoir une info. Ouais. Ils vont pas à Bicêtre demain. Qui t'a dit ça ? Cédric. Qui ? Cédric, le petit des commandos marines. Et ils font quoi ? Ils vont dans un village exfiltrer des Tutsis qui sont cachés chez un prêtre français. Et Arèche ? Arèche, lui, doit évacuer des religieuses de leur couvent. Je sais pas où. C'est tout ? Ouais, c'est tout. Mais alors, personne ne va à Bicêtre demain ? Non, personne. C'est peut-être dans le village qu'on recherche. Reçu. Roger ! Débarqué ! Continue à gauche. À gauche. Sarjo. Yankee Lima. Yankee Lima. Beaucoup de cadavres de civils dans le secteur. On continue la progression. Reçu. Terminé. Allez les gars, on se casse.
Commandant, ouais. Il y a des blessés, c'est grave. J'ai des gens avec des lances et des machettes, là. Ouais, ben la même chose, là, pour moi. Pareil pour moi. Le personnel dans mon secteur. Doucement, les gars, doucement. Je pense que c'est des Tutsis. Du monde en face. Fargeau. Yankee Lima. Yankee Lima. À Yankee Lima, nous sommes en 57-54. Blessés et des morts. Des centaines de miliciens sont face à nous. Je peux sécuriser la position pendant 2 ou 3 heures. Je vous demande la conduite à tenir. Restez sur zone. Je lance les secours et je vous rejoins. Reçu, mais faites vite. C'est tendu dans le coin. Augerie, le commandant nous rejoint. On s'installe pour durer. Parti Morvan, partant en reconnaissance des alentours. Retour dans une demi-heure. Ok, ça marche. Bonjour. On va s'occuper de vous. On prend la place de Marty. On va s'occuper de vous. Putain, ça fout les jetons. Mais t'as peur de quoi, là? Des morts ou des vivants. Tiens, viens voir. Voilà ce qui reste après le passage des vivants. Allez, viens, on se casse. Allez, viens. Pour la nuit. Je vais essayer de vous désinfecter. Détendez-vous. Détendez-vous, monsieur. On va vous désinfecter. Ça va, les gars? C'est bon de rien? C'est bon? André? Il y a un problème, Philippa? Non. C'est bon, commandant. On est installé pour la nuit. Les hommes sont en poste par binôme. Concernant les premiers soins, on a donné toutes les rations de secours et on a utilisé 80% du stock médical en perfusion, morphine et pansements compressifs. Très bien. Je viens d'avoir Bachaumont. Il nous envoie à l'aube une cinquantaine de légionnaires et des équipes médicales. Il faut venir jusque-là. Pour info, il m'a passé un savon, il trouve qu'on a pris de gros risques.
Et dites à vos hommes qu'il n'est pas question de fermer l'œil cette nuit. Bien sûr, commandant. Il faut qu'on se parle. Explique-moi, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Parle-moi moins de Thérèse. C'est maintenant que tu t'intéresses à Thérèse. Elle est vivante? Quand les paras nous ont abandonnés au centre culturel, une heure après, il y avait une cinquantaine d'intégrés, oui. Avec des machettes et des casse-têtes. Ça va, j'ai compris. J'ai toujours leurs cris dans ma tête. Des coups de feu. Et les cris de Thérèse qui n'en finissaient pas. J'avais vidé un placard sous des étagères de la bibliothèque. Je suis resté au moins 6 heures à étouffer là-dedans. Et j'ai entendu la voix de ma sœur qui les suppliait de la tuer. Ils l'ont cloué contre un mur, jambes écartées. Et ils l'ont violé. Et à la fin, ils lui ont enfoncé un gourdin dans le vagin. C'est comme ça qu'elle est morte, en se vidant de son sang. Quand j'ai reçu sa lettre, j'ai téléphoné à Théodore, je te le jure. Mais je te crois. C'est toi qui les as tous livrés. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ton copain, le capitaine Théodore Uboneka, qui commandait l'assaut ce jour-là. Il encadrait les miliciens avec une dizaine de soldats de la garde présidentielle. C'est bien toi qui les as formés, non? Les commandos marines sont arrivés hier, en fin d'après-midi, dans le secteur de Bicecero. Ils ont tout de suite compris la gravité de la situation et ont appelé du renfort. Ils ont passé la nuit dans le brouillard, à plus de 2000 mètres d'altitude. Maintenant, les survivants Tutsi sont sortis d'affaires. Ils n'ont plus peur et perdu de reconnaissance à l'égard de ces soldats français. The mobile army hospital at Kibuye is overwhelmed by the number of wounded arriving hourly. Already stretched to the limit, the medics here are doing their best in trying conditions. Il y a deux mois, qu'il y a des généralement les militaires nous pourchassent. Ils nous ont attaqué le week-end. Je peux vous poser une question? Allez-y. Quand j'étais avec le lieutenant-colonel Arèche à Bicecero, on est tombé sur des survivants, dont un certain Antoine Mouhiré. Ça vous dit quelque chose? Pour le moment, on n'a relevé aucune identité. Je pars au plus pressé, tout s'est fait dans l'urgence. On est arrivé là-bas par hasard. Par hasard? Bah oui, par hasard.
On s'était perdu. Très bien. Au revoir, mon général. Messieurs, la zone humanitaire que nous avons délimitée a reçu officiellement l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. Le problème, c'est que Boutaré n'est pas dans cette zone et que la ville va tomber aux mains du FPR dans les prochains jours. C'est pas encore joué. Arrête de rêver, Robert. Je te dis que l'assaut est imminent. Mais ça ne doit pas nous empêcher de continuer notre mission. Pour l'instant, il s'agit d'évacuer 800 enfants Hutus d'un orphelinat de Boutaré. Cormery, vous emmènerez les enfants jusqu'au Burundi. Rambert, tu ouvriras le convoi. Le FPR est au courant? On a négocié un cessez-le-feu de 24 heures. Je peux savoir qui négocie? Le général Pommier, de la Minuard. Alors on peut lui faire confiance. Il fera tout pour que ça foire. T'es vraiment désespérant, mon vieux. Je suis lucide. Et s'il y a un accrochage? Vous ripostez. Colonel Rambert, vous venez nous aider comme à Biomba? Je connais. Capitaine Muzirere, la colonie de Tumba. Vous vous souvenez? Ah oui, ça me revient. Ils ont bien dégusté ce jour-là. Hein? Vous nous amenez des munitions? Non. Dommage. Le général Cabera? Là. On part dans 5 minutes. Reçu, mon colonel. Tiens, regarde. Elles ont été prises il y a moins de 24 heures. Vous avez aucune chance. Vous êtes pris en tenaille. Quand ils donneront l'assaut, vous tiendrez pas 2 heures. C'est foutu. Casse-toi le plus vite possible. Au Zaïre? Bien sûr, au Zaïre. La zone humanitaire survient d'être agréée par les Nations Unies. Je ne me laisserai pas désarmer. Il n'est pas question de vous désarmer. Bachomon nous l'a confirmé. On laisse passer les troupes rwandaises au Zaïre et on n'intervient pas. Sauf si elles menacent les personnes protégées, évidemment. Une fois là-bas, tu te referas une santé. La guerre n'est pas perdue. Je t'assure, tu prendras ta revanche. Crois-moi. Récupérer les derniers enfants, donc je suis là dans 2 minutes.
À tous, FPR en vue. Environ une compagnie, a priori... De l'hostile. On continue. Attends mes ordres. Tranquille, les gars. We need to inspect your convoy, Colonel. It's a humanitarian convoy under the auspices of the United Nations. The United Nations did not do one thing to stop genocide. We won't discuss this matter. It's out of the question for you to look into the tracks. According to our secret services, you allowed people into the convoy being there such as the Mayor of Mugata. This is absolutely untrue. He is accused of having committed numerous massacres. He's not here. Our services are never wrong, Colonel. Please come with me and let's check it out together. Cormery, ils sont complètement parano. Ils disent qu'on transporte un passager clandestin. Impossible. Les ordres étaient très clairs. Une vingtaine de civils avec les enfants. T'as pas vraiment le choix. Hein. Laissez-les fouiller. You don't control your boys very well. Should be happy only one of them was wounded. We'll take care of him. We don't need any help. As you wish. You're allowed to leave. We've got what you're looking for. Allez, on repart. C'est plus notre problème. Je suis venue prendre de vos nouvelles. J'ai gardé ma jambe. Et vous, ça va? Je rentre à Paris aujourd'hui. Vous avez fini votre boulot? Non. J'y arrive plus. Moi non plus, j'y arrive plus. Je vais quitter l'armée. Vous êtes sérieux? C'est dégueulasse, la neutralité. C'est le pire des mensonges. Il faut mieux que je me casse d'ici, sinon je vais devenir dingue. Il vous reste de la pellicule? Oui.
Ce sera ma dernière photo au Rwanda.